Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau shopping aujourd'hui chez Action. Je suis passée hier, mais il y avait une queue incroyable au magasin Action de Persan-Chambly. Donc c'est parti, je vous emmène. Donc par ici, il y a tous les produits qui sont pour la semaine d'Action que vous avez dû voir dans le dernier catalogue. Je vais commencer avec ce plateau en forme de feuille doré à 2,37€. C'est du 30 par 15. Il y en a plein en stock. Promotion de la semaine aussi, ce cadre pêle-mêle 9 photos à 3,92€ seulement. C'est du 48 par 42 cm. Toutes les graines de semences passent à 29 centimes. Donc en promo de la semaine, je crois qu'elles étaient à 39 normalement. Juste à côté, il y a du dentifrice à 1,39€ en Oral-B. Alors regardez ça, c'est nouveau, je ne les ai pas vus, c'est des pots à provision. Ils sont en vert et ils sont colorés, ils sont super jolis. Il y a du bleu, du vert comme ceci et du rose à 1,58€ seulement. Et en termes de contenance, c'est du 1 litre. Donc ça fait 19 cm de haut. Ils sont plutôt sympas, non? Allez, on a cette nouveauté, ce photophore avec des perles. Il est à 2,79€. Il est comme ceci. Donc on peut mettre une grande bougie, une plus petite. Il y a trois pieds en dessous. On a des jardinières comme ceci à 5,95€. Il y a celle-ci en métal classique. Et on a celle-ci qui est un petit peu noircie. Donc elles sont à 5,95€. Je vais vous donner les mesures. 48,5 cm de largeur, 17 de hauteur et 16 en profondeur. Ils existent en tout petit comme ça. Je les trouve super mignons pour agrémenter un balcon par exemple. C'est du 12 cm de hauteur et 12 de diamètre à 86 centimes pièce seulement. Donc ça, c'est pas cher. Donc pareil, il y a le noir comme ceci. Et on l'a en métal. Il y a des seaux comme ça aussi de décoration. Donc métal, ça c'est du pain vert en peinture noire comme ceci. Ils sont à 99 centimes seulement. C'est plutôt joli. Et il existe un grand modèle comme ça, classique, à 2,99€. Ou en seaux, mais bas comme ceci, à 2,99€. Voilà ce que ça donne. Donc là, on peut faire une jardinière aussi. On peut faire un petit peu tout ce qu'on imagine en termes de déco. Et ça, c'est nouveau et ça vient de rentrer. Chaise pliante assise en velours à 15,95€. Il existe du beige, du gris et du noir. Elles sont comme ça. Bon, c'est des chaises d'appoint. Hein. Vous avez en nouveauté des fauteuils scandinaves comme ceci à 29,95€. Ils existent en noir ou en blanc. Donc avec des pieds en vrai bois. C'est du vrai bois à 29,95€. Ça, je pense qu'on peut y trouver peut-être moins cher ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous savez. On a ces petites lanternes comme ça en fil métallique. Je crois que je ne vous les ai jamais montrées. Elles font un diamètre de 20 et elles sont à 21 cm de hauteur. Elles sont à 4,99€. Elles sont comme ceci. Je les trouve jolies, pourquoi pas, pour un extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, celles qui sont là, je vous les ai déjà montrées à 4,49€. Elles sont en métal, mais sur pied. Pour les fanas de déco orientale, on a le retour de ce plateau à 3,99€, donc avec le miroir au centre, en fer forgé. Non, je crois que celui-là, pardon, il est à 4,99€, et il y en a un qui doit être plus petit, je vais vous le montrer, à 3,99€. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là qui est à 3,99€, et il fait 33 en diamètre, et l'autre 37. Ouais, c'est pas tout à fait... pas tout à fait la même taille. On a des plateaux comme ceci pour pourquoi pas poser les fruits. Ils sont à 7,49€. C'est du métal. On a ces petites planches photo comme ceci à 4,99€. Elles font 77 cm de largeur. Je vais vous montrer sur l'image. Elles sont en blanc et en noir. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai mis une dans ma cuisine en fait pour poser des petits bidons d'huile artisanale, la tour en gel. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai pas acheté ça ici, je l'ai acheté chez Castorama, si je dis pas de bêtises. Mais la mienne est un peu moins large. Par contre, je trouve ça sympa pour poser ou des petits objets déco ou des cadres photos. Moi, j'ai pas de cadre photo chez moi, donc voilà, c'était dans ma cuisine. Vraiment pour poser des petites huiles artisanales. Vous avez des petites boîtes de rangement en bois comme ceci, avec des décors fleurs à 1,69€, donc en noir comme ceci et en taupe.
le retour de ces petites tables gigognes que je trouve super belles. Elles sont vendues par deux à 24,95 €. Je vais vous les exposer, pardon. Donc voilà, celle-ci fait 38 de diamètre en teck et celle-ci fait 28. Si vous les achetez par deux, elles sont vendues à 24,95 € et je crois qu'à l'unité, oh là là, je me rappelle plus du prix, c'est pas exposé. Je crois qu'à l'unité, c'est 18 et 14, si je dis pas de bêtises. Mais je le trouve plutôt joli. Après, voilà, malheureusement, j'en ai pas l'utilité, donc. Mais le concept est sympa. Alors, ces petites tables de chevet, elles sont pas nouvelles, vous avez déjà dû les voir. Elles sont à 19,95 € en MDF. Et donc, ça, c'est un restock. On a des petites boîtes de rangement comme ça en carton. À 1,99 €, il y a plusieurs modèles. Alors, ça, c'est du 37 par 30. Je vais voir, je crois qu'il y a d'autres couleurs, mais elles sont toutes de la même taille. Ouais, il y a cette couleur aussi avec le couvercle vert et en dessous des feuillages. 1,99 €. Donc par ici, on a des paniers de rangement qui ne sont pas nouveaux. Ils sont à 2,99 € en métal avec du bois. C'est du 28 par 26. Il y a du noir et du blanc. Donc voilà, pourquoi pas. Alors ces petits plateaux, je les adore. Ils sont à 1,82 € pièce. Ils existent en blanc, en taupe et en noir. Et ça, je trouve que c'est sympa pour se servir son petit café ou son petit thé. Comme vous savez, moi j'adore le thé. En promotion cette semaine, vous avez les aérosols de peinture mate noire métallique à 1,89 €. L'aérosol en 400 ml. Et vous avez également aussi l'aérosol résistant, enfin peinture résistante à la chaleur en silver à 2,49 € les 400 ml. Dans ma vidéo du début de semaine, je vous avais dit que je testerais ces billes. Elles étaient à 2,79 €. Elles sont en promo là pour la semaine d'action à 2,39 €. Alors j'avais acheté celle-là, puisque moi j'achète beaucoup les billes de la marque Lénore. Bon, je ne les ai pas encore essayées. Par contre, je les ai senties à la maison. Voilà, on n'est pas sur la senteur Lénore. Je suis désolée de vous décevoir. Mais je les testerai quand même dans mon linge et je vous dirai si oui ou non ça sent vraiment bon et si ça vaut le coup. Il y a toujours le rayon de Pâques qui est là, hein, qui est tout mignon pour les personnes qui souhaiteraient faire leur déco et qui ne l'ont pas encore faite. Regardez, il y a des petites boules à neige comme ça qui sont trop mignonnes. Elles sont à 99 centimes pièce, il y a plusieurs sortes. On a des suspensions comme ça en MDF à 72 centimes. Des figurines lapins comme ceci. Lapin rigolo à 9,95 € pièce. Pour les créatifs, on a des kits de peinture pour porcelaine à 1,49 €. Il y a six flacons. On a ces petits sets de peinture comme ceci à peindre, pourquoi pas, pour faire une activité avec les enfants. Ils sont à 69 centimes pièce seulement. C'est vraiment pas cher. On a des petites figurines en mousse comme ceci pour faire ces petites créations. Ça coûte 51 centimes. Ça, c'est pour coller sur les fenêtres. 99 centimes, il y a plusieurs sortes. Il y a celle-ci, il y en a d'autres, vous pouvez choisir. Et par paquet, il y a à peu près 12 figurines, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a 12 figurines. Et bien sûr, il reste aussi tout un tas de sucreries pour les enfants et les grands. Allez, côté jardin, on a des petites lampes murales comme ceci, à 3,99 € pièce. C'est solaire. Je peux pas vous dire ce que ça vaut pour en avoir acheté récemment, pas ici. C'est vrai qu'il faut quand même être bien sûr de son choix, parce que ça, si ça marche pas bien, c'est une angoisse par la suite. Et à celles-ci qui sont encore plus jolies, je trouve, à 4,99 €, donc toujours avec le capteur solaire inclus. Et ça éclaire, a priori, celle-ci, la promesse, c'est que ça éclaire jusqu'à 50 mètres. Donc elle a l'air beaucoup plus puissante. On a des lampions solaires comme ceci. Ça, je trouve que ça peut être une ambiance très sympa, guinguette, dans un extérieur, à 2,67 €. Il faut que ça soit bien fait, bien sûr. On a du vert, et je vais regarder s'il y a d'autres couleurs. Je vois, alors, sur l'emballage, il propose 4 couleurs, mais en rayon, je vois que du vert. 2,67 €. Allez, je vais faire un petit tour dans la cuisine pour voir s'il y a des nouveautés. Alors, on a des nouveautés thermos comme ceci, à 3,29 €. Elles ont un bouton poussoir, je crois, ou alors c'est les grandes. Ouais, tout à fait, à l'intérieur, vous avez un bouton poussoir comme ceci. Elles existent en inox classique. On les a en gris mat, comme ça. On les a en vert aussi. 3,29 €, et elle existe aussi en bouteille d'un litre, et celle d'un litre elle est à 5,95 €. Donc là, il y a de l'inox brossé gris foncé, on a de l'inox classique brossé, on a du gris mat et du noir mat. Voilà, 5,95 €. Après, je connais pas tellement les prix, je sais pas si c'est un bon prix ou pas, et est-ce que tous les thermos se valent? Quid?
Set de table perlée, je pense pas que ça soit une nouveauté, sauf que je viens pas souvent chez Action. Ils sont à 2,99€, il y en a des comme ceci, doré et or. On a des prunes comme ça qui sont très jolies en termes de diamètre, c'est du 33. Et je regarde s'il y a d'autres couleurs, a priori non, ce sont les deux seules que je vois. C'est joli en prunes comme ça. Donc des bols mélangeurs vendus par 3, 1 litre, 5, 2 litres et 3 litres. Je crois qu'ils y étaient déjà là depuis un moment aussi. À 1,99€ les 3. On a ces couleurs-là, donc le rose en grand. Et si vous préférez, il y a du bleu, vert et gris. Voilà, donc pourquoi pas pour faire ces préparations. Et on a ce pichet mixeur gradué. Ah oui, d'accord, ok. Vous ouvrez le couvercle qui se trouve là. Vous voyez la partie qui est ici, elle est amovible. Et vous pouvez mettre votre mixeur à l'intérieur directement. Et l'avantage, c'est que vous avez les graduations pour mettre vos ingrédients au préalable. Ça, ça coûte 2,39€ et il me semble que c'est une nouveauté, je ne l'ai jamais vue auparavant. On a cette gamme de poils Diamond par 2 à 14,95€. Vous voyez donc l'extérieur est alvéolé et l'intérieur aussi, c'est marrant. Bon, elles ne sont pas ouvertes donc on ne va pas le faire bien sûr. Il y en a deux, donc une de 20 cm et une de 24 cm de diamètre. Et vous voyez, c'est donc l'intérieur est vraiment comme ça, alvéolé. Et vous avez des petites paillettes dorées. Je ne les connais pas. Mais j'avais acheté une poêle chez Action. Une qui était pas mal, qui était assez épaisse. Une autre, c'était une catastrophe. Je ne vous dirai pas laquelle. Je ne veux pas vous donner de mauvaises influences. Mais si, je vais vous le dire quand même. Donc là, c'est 14,95€. Et j'avais acheté une poêle de cette gamme, de cette marque-là, Kitchen. Je ne vous recommande pas du tout. Je crois qu'elle a 2 mois et quand vous mettez un steak à griller, ça crame. Celle que j'ai achetée qui était pas mal et qui est vraiment bien, c'est cette gamme-là. Elle est épaisse, elle est à 9,98€. Celle-là est pas mal, je la recommande. Cette gamme-là, je la recommande pas du tout. Et alors cette gamme-là, mais fuyez, je l'ai achetée et en fait, déjà, vous faites bouillir quelque chose, ça met 3 jours à bouillir, donc c'est même pas normal puisque voilà, on n'a pas que ça à faire de rester 14 jours dans la cuisine, c'est trop long. Franchement, c'est pas terrible. Voilà, ça diffuse pas la chaleur, je suis désolée. Autant Action, il y a des produits qui sont bien, mais quand c'est pas terrible, voilà. Je pense qu'il vaut mieux investir un peu plus d'argent et investir dans un produit de qualité. Et voilà. Et par ici, on a des petits paniers pour les pinces à linge en rotin à 99 centimes. Il y a du gris, du noir. Ça, c'est pas cher. Et on a en masse comme ça la kératine en 300 ml, je ne le connais pas. Il coûte 1,95€. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui l'ont déjà essayé et qu'est-ce qu'elles en pensent? Allez, côté beauté. On a des palettes comme ça que vous connaissez peut-être déjà à 4,95€. Bon, c'est hyper flashy, coloré. C'est vraiment fait pour briller de mille feux la nuit. Est-ce que quelqu'un les connaît, les a déjà testées? Je ne sais pas si c'est un bon prix, a priori, bon, c'est pas très cher, 4,95€. Bon, il y a du stock, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. C'est pas le genre de produit que je mets. Et juste à côté, on a des éponges à maquillage comme ceci, pastèque, à 89 centimes, mais vous en avez deux dans le pack. Je finirai ma vidéo avec ça. Il y a des eaux de toilette comme ceci que je ne connaissais pas. Il y a plusieurs senteurs, ils sont à 1,95€. La pièce, c'est du 100 ml, vous voyez, vous avez senteur rose, on a des senteurs un peu plus orientales, Gold Paradise, on a celle-ci, on a cachemire, sensuel, voilà, 1,95€, si vous les connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis, ça nous intéresse. Voilà, pour ma vidéo du jour, je repars sans rien, j'ai rien trouvé. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour échanger avec vous, avec nous, pardon, vos bons plans. Et je vous dis tout de suite, à tout de suite, pardon, chez nos, j'y vais.